Yo tout le monde, ici MK. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On avait fait le test du Quasar 2. J'ai reçu une édition spéciale. Je suis le seul en France à l'avoir et le seul dans le monde. Donc c'est une découverte inédite, internationale. Je suis le seul actuellement à l'avoir entre les mains. Donc on va déballer ça. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai montré la Quasar V2. Vous pouvez voir celui qu'on avait déballé et testé, qui est ici. Donc aujourd'hui, on a le Quasar V2 édition. Je te laisse les regarder. T'as compris, je suis le seul à l'avoir. Donc, c'est le Quasar Fit Social Smoke. Donc, qui sont ces deux marques? Quasar est une marque française et Social Smoke est une marque américaine de tabac. Donc, ils ont fait un featuring ensemble. Ils ont sorti le disque de l'année. C'est parti, on va déballer ça. Je fais du bruit, pourquoi? Parce que je suis content. Je l'ai depuis 9h du matin et j'ai pas pu fumer une session avec. Aujourd'hui, il est quelle heure? 19h42 et je peux enfin fumer ma chien. Donc, on va déballer ce Quasar. Je le dis, je le répète, mais c'est une exclusivité nationale, que dirais-je même internationale. Personne dans le monde là, actuellement, entre les mains. Il n'y a que moi qui l'a. Tu vois, je peux faire allô, ça va. Il est entre mes mains. On va le déballer. Donc, comment allait le packaging? Donc on va parler du packaging un peu plus sérieusement. On avait le Quasar V2 qui était là. On avait l'hologramme de la tête avec le nom Quasar. Ouais. Donc là ce qu'on a ici, c'est le logo de chez Quasar et le logo de chez Social Smoke. Ainsi que le nom Quasar et Social Smoke, ce que j'aurais aimé avoir même si c'est que du packaging. Sérieusement, c'est en arrière-plan peut-être les deux logos fusionnés. En hologramme comme sur la tête ou l'hologramme de la tête. Donc on a RAS sur les côtés, donc qui est le RAS Quasar, logo Quasar, RAS et bim, la tête est pas prête, Social Smoke. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va le déballer. Non mais je suis content parce que j'ai un produit inédit que personne n'a, et oui, et je peux être que content. Comment j'ai obtenu le produit? Ça malheureusement, c'est mon secret à moi, vous ne le saurez jamais ou peut-être dans longtemps, je sais pas. Mais en tout cas, je suis le seul. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je l'ai dit, je répète, mais je suis trop content. Donc t'es parti, ça râle, ça râle, ça râle. Fais une petite musique, Riyad. Ok. Voilà, donc il se présente ainsi. Donc, comme la version 1. Donc là, ah, on a le Quasar Social Smoke, donc en français. Quasar est un créateur de produits innovants. J'arrive pas à dire, parce qu'en fait, le flash, il me fume les yeux. S'associer à Social Smoke, fabricant américain du tabac de haut de gamme. J'ai des taches blanches, j'arrive pas à lire. Mais en tout cas, je vais vous mettre ça comme ça si vous voulez lire, faire pause. Parce que comme j'ai des problèmes de vue, je peux pas très bien voir. Donc voilà, vous ferez pause et vous lirez. Mais en tout cas, voilà, ça dit ça. Donc, on a l'enveloppe Quasar qu'on a vu aussi sur celui-là. Et on a la bête. Riyad, lui, c'est la première fois qu'il le voit. Je l'ai pas envoyé de snap parce que moi, je l'ai déjà vu avant tout le monde tout à l'heure. Voilà. Donc, on a le Quasar Fit Social Smoke. Donc, voilà, je vous fais juste une preview comme ça. On peut voir aussi que le packaging est pareil. Tout est pareil. C'est juste la couleur qui change. Alors, petite anecdote. Je vais vous dire pourquoi ils l'ont fait. Dans les tabacs Social Smoke, en fait, les boîtes de 200 grammes et de 1 kg, bah, ils sont de cette couleur-là. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé en blanc. Tout simplement. Donc, ils ont mis du couleur de la boîte du tabac de Social Smoke. On va déballer ça gentiment et proprement. Donc, la particularité de ce Quasar, c'est qu'on a le logo Social Smoke juste au-dessus, qui rend super bien. Je sais pas, t'en penses quoi, toi qui le vois pour la première fois. J'aime bien, tu vois, il fait énervé. Il fait énervé comparé. Il est vénère, tu vois. Alors, je vous dis tout de suite, le produit est disponible actuellement chez Elbadja. Pour la somme de 79€. Le lien sera en description. Commandez vite, d'après ce que j'ai entendu, ça va partir très très vite. Donc, je t'invite à revenir, comme hier. Donc voilà. Là, t'as le Quasar V2 qui est à 69€. Et là, t'as le Quasar V2 Fit Social Smoke qui est à 79. Pour 10€ de plus, honnêtement. Voilà. Moi, je les rajoute personnellement. Pourquoi? Parce que déjà il y a ça qui est nouveau, c'est du caoutchouc, donc moi je trouve déjà pour le maintien, pour le prendre, quand le canot de le Lotus il est chaud pour prendre, c'est t'as une mobilité, tu vois ce que je veux dire, donc tu peux prendre, donc l'intérieur comme ça, par rapport à l'ancien modèle, donc là oui je vais vous expliquer aussi après pourquoi il est dans cet état, mais vous saurez le pourquoi du comment, on va le mettre sur le côté, mais voilà, l'intérieur il est comme ça.
Donc on a les mêmes même intérieur qu'Aloud aussi. Juste, c'est ça qui change. Après, bon, je trouve esthétiquement ça rend bien, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça fait. Et la couleur aussi. La couleur aussi, elle, ouais, ça change, elle rend bien. Ouais. Gris, c'est rare. Bon, on peut voir aussi qu'il a fait la guerre. Ça fait du bien d'avoir un tout neuf. Donc, faut savoir que. J'en suis à mon quatrième quasar. Oui, j'ai consommé 4 quasars. Alors, il y en a un qui est tout neuf, je les mettrai là après. Mais j'en suis déjà à 4 quasars. Pourquoi j'en ai 4? Parce que je trouve que c'est un produit tellement innovant comparé à un Kaloud ou bien un Brood. Même si Brood, c'est complètement différent. Je trouve que le quasar est un produit complètement expansif. Et, tu vois, il est accessible et expansif. C'est comme un DLC. Tu l'achètes, tu as un skin, une AK en plus. C'est quelque chose, franchement, quand on compare un Kaloud Lotus à 59,90 et qu'on compare un quasar pour 10 euros ou 20 euros de plus si tu prends l'édition Social Smoke, je me dis, les gens qui prennent des cadeaux, ils sont cons parce que là, tu as un foyer, tu as tout, tu as un ingénieur qui a fait un très très beau travail et ça, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Franchement, il n'y a rien à dire. On reprend. Donc là, on a le foyer en verre. Donc, vous pouvez voir que il a bien tenu celui-là. Ça fait depuis. C'est le premier quasar que j'ai là actuellement que je vous montre. Donc voilà, foyer en verre tout neuf. Ensuite, le système de chauffe secondaire, on va dire, pour que la chaleur, elle passe. Donc toujours les mêmes matières, c'est juste la couleur qui change. Donc je vais vous démonter ça en aussi. En gros, il n'y a que le design. Ouais, il y a le design et la couleur. Ouais. Voilà. Donc après, je pense, enfin je pense, bah, comme, comme les collabs genre et tout, tu vois, ça change de prix, c'est normal. Les collabs genre Jordan, ouais, c'est ça. La même chose. Honnêtement, des deux couleurs. Juste où, tu vois, ça fait. Tu vois, ça fait nouveau, tu vois, c'est ça donne une nouveauté. Alors, tu vois, du noir, tu voles tout le temps, tu vois, du noir, c'est. Ça donne un rafraîchissement. Ouais. J'ai vu ce matin le blanc. Après, faut voir. J'ai eu... Non, en fait, je me suis dit, mais putain, pourquoi ils n'ont pas fait tout en full black matte. Comment ça, en matte. Tout ça en noir matte. Ouais. Ça aurait été méchant aussi. Mais c'est vrai que quand tu repenses. C'est un produit qui est fait avec Social Smoke. Mmh. Et ça, c'est pour rappeler un peu, je pense, la couleur des boîtes Social Smoke. Donc, je pense, c'est pour ça qu'ils ont tout simplement choisi ce blanc cassé. Je sais pas, je dirais, moi, je le vois blanc cassé. Je sais pas, toi, tu le vois de quelle couleur? Non, moi, c'est gris pour moi. Gris? Ouais, pour moi, gris, c'est blanc gris. Cassé. Ouais, donc, de toute façon, pour toutes moi, les caractéristiques, elles sont dans le lien en description. Sur le site Albadja, donc, vous avez la livraison gratuite à partir de 20 euros de commande. Et franchement, 20 euros de commande, c'est largement un quasar. Donc, vous pouvez vous faire livrer gratuitement. Tu donnerais combien sur ce design, toi, perso? Tu donnerais quoi comme note? Sur 10. Attends, pour toi, ce serait quoi, un 10? Franchement, on ne l'a pas encore testé. Mais juste niveau design, déjà, je trouve qu'il casse tous les codes, en fait. Ah ouais? Il a niqué le code. Pourquoi? C'est plus du noir. Tu vois ce que je veux dire? C'est du blanc-gris. Et il casse, parce que ouais. Ça veut dire, par exemple, sur la Viro, comme on verra tout à l'heure, ça va pas s'accommoder pareil. Mais par exemple, sur la Dacini, vu que c'est de l'acier inoxydable, ouais. Par exemple, tu mets ça sur une MIG. Ça ouais, bah oui, ça. Parce que ça, c'est un accord. T'as capté. Ouais. Surtout là, avec le tuyau et le mangeabed que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'en ai eu un soft touch blanc. Et mon jabeb là, ça aurait été bien cordage. Ouais, parce que clair, ouais, ça aurait fait. Et non, franchement, il reste fidèle au poste au niveau du matériau. Ça, j'aime bien déjà. C'est fidèle, parce qu'ils n'ont pas changé de matériau. Donc, c'est vraiment beau. En plus, tu vois, ça s'accorde. C'est cordant. Mmh. C'est vraiment cordant. Et c'est ça que j'aime, tu vois. Tu vois, la boîte, j'aime bien la boîte, tu vois. Ouais, le X, qui signifie, tu vois, une fusion. Ouais, la collab. Voilà, fusion, comme ça. Dragon Ball Z, t'inquiète, tu connais. Capté. Bon, on va passer à la préparation de la tête. Je vais vous expliquer aussi rapidement, on va faire un montage, je vais vous expliquer rapidement pourquoi le quasar que j'ai est dans cet état. Et on va faire des différences parce que oui, peut-être ça se voit pas, mais entre ces deux versions, ils ont amélioré certains points et on va en parler tout de suite. Donc voilà, là on va parler sérieusement maintenant. Il faut voir, j'ai 4 quasars sur la table. J'en ai un 0 km, jamais fumé. J'en ai un que je fume en deuxième tête maintenant. Il est mignon.
J'ai l'édition 60 qui est là, donc je rappelle qu'il est une présentation inédite, donc personne là à l'heure actuelle. Et voilà, donc on va parler juste d'un truc vite fait, c'est rapide, c'est juste pour vous dire que je pense que vous avez vu ce Quasar dans cet état. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi, donc on va prendre vite fait le temps. Pourquoi mon Quasar il est dans cet état? Tout simplement, j'ai envoyé beaucoup de chichas avec. Il faut savoir qu'il y a une période, j'étais au chômage et en même temps pendant le confinement. Donc, j'envoyais qu'un chicha par jour. Donc, pour ceux qui ne me croiront pas, c'est pas ça le problème, je m'en fous. Il y a des témoins, il y a des gens qui savent. Bill Kane le sait. Il rigole à la Non, mais caméra, il mais a il sait. vu m'a abusé des bails. Tu vois, c'est. Donc, il faut savoir que le Quasar, je l'ai vraiment malmené. Entre les chocs thermiques, le chaud du charbon, le froid de l'eau froide, plus le froid du congélateur des fois, va savoir pourquoi je faisais ça. Expérience, t'inquiète. Pose pas de questions, il n'y a pas de réponse. Mais voilà, donc je vais vite fait vous montrer 2-3 points essentiels de comment je l'ai mal mené en fait ce cousin. Tout simplement, Syria, tu veux bien t'approcher? On peut voir les pliures. J'ai tordu quand même T'en assez baisses un fort. peu. Je descends. Non. Je monte. Voilà, comme ça. Comme ça, tu vois. Voilà. Donc voilà, je l'ai mal mené. Il est plié. Les points ici. Ils sont morts. Faut savoir que voilà, quand je voulais faire une session rapide, allumer vite mes charbons, je mettais le quasar directement comme ça sur une plaque à charbon à gaz. Des fois, je le tenais comme ça le quasar, ça me brûlait. Sinon, je le posais vite fait comme ça. Faut savoir que dans la boîte, ils vous disent de ne pas faire des choses. Ne les faites vraiment pas. N'envoyez pas vraiment comme ne mettez pas sur une plaque à gaz, une plaque à charbon électrique, c'est con. Moi, je l'ai fait parce que voilà, j'ai voulu le malmener, j'ai voulu le pousser à bout, le truc, pour voir jusqu'à où ça pouvait tenir. Il m'a fait 8 mois comme ça, j'en suis vraiment fier. Au jour d'aujourd'hui, je l'utilise encore. Mais c'est pour vous dire que moi, j'ai les moyens de me le faire, de m'en acheter, j'ai les moyens, c'est pas ça le problème. C'est pour les gens qui n'ont pas trop les moyens et qui veulent quand même pousser à bout des fois les choses. C'est compréhensible, c'est comme t'as une voiture, tu veux la reprog, tu casses le moteur, t'es dégoûté. C'est pareil, voilà, j'ai fait la même chose. Niveau overpack, voilà. Là, c'est un des caloudes, si je vous dis pas de bêtises. Le second, il est là. Voilà. Donc, niveau overpack, ça donne ça. C'est pour ça que quand ils vous disent de ne pas faire d'overpack, ne faites réellement pas d'overpack. J'ai gratté, j'ai gratté, j'ai gratté. Ça raye énormément. Et on sent que, au Ça fil perd du de la temps, qualité. ça perd de la qualité. Alors que déjà, sans vous mentir, c'est un produit extrêmement bien fini. Franchement, j'ai jamais eu meilleur projet. Alors que je sais, tu sais. On a fumé la chicha depuis. Et j'ai jamais eu déjà un produit comme celui-ci, comme ça, bien fini. Là, ils nous ont sorti une version dessus, dont on va faire les comparaisons rapidement. Encore mieux fini pour 10 euros. Et franchement, vous n'allez pas le voir à la caméra parce que ça ne se voit pas à la caméra. Mais à l'œil nu, nous, on l'a vu. Par exemple, les gens qui auront les moyens. Qui ont ce quasar et que demain auront les moyens de commander le V2, pourquoi pas chez El Badja ou chez d'autres marques, et de voir comment ils sont différents, vous allez voir le matériau. Par exemple, ici, on voit que là, c'est la matière du dessus du quasar sur le V2. Sur l'édition Social Smoke, on voit que c'est du vrai acier. On voit que aussi les points. Ouais, ça se voit. Regarde. Là, ça se voit, là, les points? Non, mais pas les points, mais tu vois la L'acier, matière. ouais. Ici, tu vois. Tu Ça sens se que c'est du voit. vrai Non, acier. mais tu vois la différence. Bien sûr. Et quand on compare les deux comme ça, on voit que les points sur les pattes, je ne sais pas si je suis bien situé, mais je pense que vous voyez de quoi je parle, les trous qui sont là. On voit que sur l'édition Social Smoke, ils sont encore mieux finis. Déjà, de base, l'édition normale, c'est un produit très bien fini. L'édition Social Smoke, c'est comme si tu avais une classe S. Non, allez, la classe C43MG qui est là, et que là, tu as la classe C63MG. C'est encore mieux fini, tu vois. C'est encore plus de horsepower, Ouais, comme les comme gens ils disent, tu un vois. l'iPad, tu vois les. AirPod. Ouais. AirPod 2 à AirPod Pro. Voilà, Ouais, AirPod ça. 2, AirPod Pro. Tout simplement. Maintenant, on va tester ce produit. Les charbons, ils sont prêts. Et on va voir s'il y a des différences. Normalement. Il y aura très peu de différence, je tiens à vous le dire. C'est juste, voilà, niveau esthétique. Après, bon, j'espère honnêtement qu'il y a de la performance. C'est pour ça qu'on va prendre notre temps pour le tester. Donc là, on se retrouve tout de suite.
à fumer. Donc voilà, j'ai voulu monter cette tête-là sur cette chat. Pourquoi? Parce que je trouve énormément que la tête, elle est vraiment sublime avec les chats en acier inoxydable, que ce soit Delchini, MIG, d'autres marques, j'en passe. Je l'ai mis sur sur l'Aviro One. Voilà. Je préfère plus sur ça esthétiquement. Donc, on va fumer sur quoi? Tout simplement sur cette tête-là. On a du concombre social smoke. Parce que oui, on a oublié de le dire. Mais on fume sur du social smoke parce que c'est un fit social smoke. Et dans cette tête-là, on a de l'ananas en social smoke. Donc, ça va être deux bonnes sessions. Faut savoir que d'un point de vue esthétique, je trouve ça magnifique le blanc en fait. Je suis encore plus En amoureux. fait, c'est pas du blanc, tu vois. C'est du gris Donc blanc. pour moi, c'est Non, du gris. je le vois en blanc cassé. Faut savoir que j'ai des problèmes de vue. Donc je peux voir différentes Ouais. couleurs et différemment. RD le voit en gris, moi je le vois en blanc cassé. Vous me direz, vous en En vrai, tu vois, commentaire, en c'est quelle comme ma couleur? veste, tu vois. Non, moi je le vois en. Je sais pas. Vous nous direz en commentaire quelle couleur vous voyez. Rouge, vert, jaune, vert. Bon. On va passer à la première latte. Donc, on fume sur une Dechini. Dechini, comment? Bonnie, truc, non? Bonnie and Clyde. Voilà, on fume sur une Bonnie and Clyde. Voilà, cette Dechini, elle a fait son temps. Quasar V2 Fit Social Smoke. Du tabac Social Smoke. On commence par la première latte avec notre manche Jabeb de chez Quasar. Logique. Bon, plus que les embouts, c'est bon, la hala. Bon. J'espère avoir une performance un peu plus haute que le quasar normal et ça se ressentira au niveau du tirage. Faut savoir, c'est la première session. Ça fait 7 minutes, tout juste 7 minutes qui vient de chauffer, parce que la marque préconise 7 minutes. Pour une première là, déjà on sent le goût. C'est déjà un bon début. Ouais, c'est la même chose en vrai. Viens voir, je sais pas si on va le voir à la caméra. Tu vois qu'il y a de la fumée dans la tête? Attends. Ou c'est moi je colle? Mais il y a vraiment de la fumée dans la tête, On dirait de voilà. la buée. Ah ouais, je crois pas qu'on va le voir à caméra, Mais il y a de la mais fumée dans la ouais, il y a tête. un. Et ça, jamais de ma vie, je l'ai eu avec ce foyer-là. Ah ouais? Peut-être ils ont fait une amélioration, mais je sais Peut-être c'est pas. un défaut qu'on a là. Non, mais Ah vraiment, ouais? c'est. Bon, tu vois, à l'œil nu, tu peux le voir, je pense pas à Canemé. À l'œil nu, tu le vois, mais à la Ouais. caméra, je sais pas. Mais en tout cas, il y a de la fumée qui traverse le quasar. Ce qui m'a jamais fait dans celui-là. On va passer sur le quasar V2 normal. Donc vous voyez, bon, celui-là il a du vécu, connaissez l'histoire, je vais pas refaire son background. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait une grosse fumée, on est sur une plus petite chicha. J'ai oublié de changer l'eau. Ah, l'ananas il est fort! Ah ouais? Oh là là! J'ai envie d'essayer un truc. Oh, il est fort. Ah oh, ouais, t'as déjà kiffé ta session là après. Waouh. Je vais juste mettre cette tête-là. Pour voir. Parce que ça change la tête d'une chicha. Ce que j'aime bien. Approche-toi. C'est ça. Plus besoin de se bouler comme avant. T'as ça. Et même pour le prendre, je trouve que c'est mieux. Oui, Il n'a pas eu le là. temps de chauffer encore, déjà. Déjà, ça fume plus, hein. Ça fume plus. Mais il n'a pas eu le temps de chauffer. Je crois qu'on a. Mais je trouve, face au là que tu as fait, c'est vraiment beaucoup plus. Après, j'ai des têtes pour pas que ça fasse de vorpack. Donc, je pense que j'ai pas bien aéré le tabac. Mais il est aussi bien que le normal.
Là, c'est juste pour avoir une édition spéciale. Je pense qu'elle sera en quantité limitée, je sais pas. Le produit est disponible. Ouais, elle m'a mis une barre. Waouh, on dirait que j'ai fumé trois pètes. Elle m'a foncé. Le produit est disponible en description. Je vous mets le lien chez El Badja pour El Badja parce que c'est numéro 1 en France et il n'y a que eux comme référence de chat. Je parle de chat, c'est El Badja. Bref. Donc, le lien chez El Badja. Vous pouvez commander dès la vidéo, dès que ça sort. En fait, dès que la vidéo elle sort, vous pouvez commander chez El Badja. Il y a le V2, il y a le V1 et il y a le 1,5, je pense. Je ne sais pas s'ils l'ont mis en vente. Mais en tout cas, il y a la première version avec le foyer en caoutchouc. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Voilà, je sais que la vidéo, elle prend du temps. Elle est très très longue. J'ai voulu vraiment expliquer le produit, rentrer dans les détails. Pas une vidéo vite fait. J'ai voulu vraiment aller au fin fond, exploiter la faille, exploiter tout ce qu'il y avait entre mes mains et vous présenter un produit vraiment magnifique. Et complet, on peut pas espérer mieux. Vraiment, moi je vous conseille de l'acheter. Ça fait 8 mois que je suis sur du Quasar. Vous en avez vu, j'en ai 4. Donc ça pour vous montrer à quel point je suis tombé amoureux du produit. Si vous voulez d'autres exclusivités, ça va dépendre de vous. Il me faut vraiment un maximum de vues, un maximum d'abonnés pour que je puisse atteindre peut-être des sponsors ou des partenariats et avoir de nombreuses exclusivités comme sur des chichas. Sur des produits nettoyants chicha, ça peut être intéressant. Et moi, honnêtement, c'est ce qui me plairait énormément de vous présenter des choses dont personne n'a présenté. Donc sur ça, je compte sur vous pour pouvoir partager la vidéo et vous abonner si vous êtes tout nouveau. En tout cas, si le produit vous plaît, dites-moi en commentaire, dites-moi votre avis sur ce produit, ce que vous vous en pensez. Je viens de faire un petit tour comme ça, là, parce que franchement, c'est exclusif. Ce qu'on a ce soir, c'est vraiment exclusif. Il n'y a personne qui l'a à l'heure actuelle. Là, on vous tourne cette... on finit cette vidéo, il est 20h35. Et à 20h35, il n'y a que moi qui l'a. Et les mecs de chez Quasar. Et peut-être des mecs de chez El Badja. Mais pour vous dire que moi, en tant que particulier, en tant que rien du tout, j'ai le Quasar édition spéciale Social Smoke. Et ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Je tiens à tout le monde. Peace!